Dans le Grand Nord, quand un accident se produit, toute intervention devient bien plus compliquée qu'ailleurs. Les régions sont extrêmement éloignées et les températures peuvent descendre jusqu'à moins 50 degrés. Réussir à survivre ici se réduit vite à quelques heures. Expédition perdue, bateau prisonnier des glaces ou écrasement d'avion, nombreux sont les scénarios catastrophes qui peuvent survenir dans cette partie reculée du monde. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne savait pas quand nous serions secourus. Et quand un accident se produit, pour sauver les gens d'une issue fatale, il faut vite mettre en place des ressources et des moyens considérables. Ici, encore plus qu'ailleurs, le hasard n'a pas sa place. Nous ne savions pas vers où il dérivait, on ignorait la force du courant, allait-il se retrouver dans la mer, loin de la terre, on n'en avait aucune idée. Churchill, Manitoba. Les militaires canadiens du 424e escadron débarquent dans cette petite ville nordique surnommée capitale mondiale des ours polaires. Ces secouristes spécialistes du Grand Nord se tiennent prêts à intervenir à chaque instant partout sur l'immense territoire canadien. C'est une question de vie ou de mort. Lorsqu'un accident se produit dans ces contrées reculées, le temps est compté. Cette troupe d'élite, on les appelle les techniciens en recherche et sauvetage, les SARTEC. Ils figurent parmi les mieux qualifiés du monde. Aujourd'hui, des moyens colossaux sont déployés. 200 militaires, 2 avions Hercule et un hélicoptère Griffon. Quand des victimes doivent être secourues dans le Grand Nord, les moyens militaires mis en œuvre sont pratiquement leur unique chance de survie. Parmi les 200 militaires, des hommes en orange. Ce sont les SARTEC, l'unité d'élite qui va aller à la rencontre des victimes. Ils sont 150 au Canada. Vous savez, plusieurs des hommes pourraient devenir de très bons techniciens en recherche et sauvetage. Mais ils partent dès le début. Ils auraient pu réussir. Tout le monde souffre, tout le monde peut se blesser. Mais certaines personnes laissent leurs blessures décider si elles vont rester ou partir. On a tous nos qualités. Certains d'entre nous aiment vraiment sauter en parachute. D'autres aiment plonger ou adorent grimper. Alors que certains aiment tout simplement le fait de se retrouver dans ce genre d'environnement. L'Arctique est un de mes endroits de prédilection. C'est probablement l'un des lieux où il est le plus difficile de vivre. Certaines personnes n'aiment pas trop le froid, mais moi, ça ne me dérange pas vraiment. Voici notre équipement en recherche et sauvetage. À l'intérieur, nous avons tout ce qu'il nous faut et tout le matériel médical pour traiter les patients. Nous apportons également notre propre équipement de survie, mais nous ne voulons pas l'avoir sur nous quand nous sautons. On attache donc ce sac rallonge qui peut simplement s'ajouter à notre équipement. Je dirais que ça pèse environ 30 kilos. C'est bien, je suis capable de faire ça sur le terrain. Dans une vraie mission, nous serions certainement en train de survoler la région pendant que je fais ça, ce qui est un peu plus difficile. Il y aurait peut-être quelques turbulences, peut-être que nous serions déjà sur zone. J'essaye de me dépêcher pour chercher ce sac. Il y a des personnes sur le terrain qui ont besoin d'une assistance médicale immédiate, donc c'est allez, allez, allez. OK. Les SARTEC participent aujourd'hui à un exercice en situation réelle. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Le scénario a volontairement été tenu secret, car en cas de catastrophe ou d'accident majeur, les secouristes doivent pouvoir prendre les bonnes décisions pour agir le plus rapidement et efficacement possible. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'un bateau est pris dans les glaces et qu'un avion vient de s'écraser. Des personnes sont à évacuer. Ils ne savent ni combien de victimes ils vont devoir secourir, ni à quel endroit elles se trouvent. Les SARTEC travaillent en équipe de 2. Il y a Brad Power, le chef d'équipe, et Matt Davidson, l'équipier. Matt est un jeune secouriste, c'est son premier exercice de simulation d'envergure dans le Grand Nord. C'est la première fois que je vois l'ensemble de l'escadron simuler une importante recherche et en fait la déplacer vers un nouvel emplacement. C'est une très bonne opportunité pour l'entraînement et ça pourrait nous aider dans nos prochaines missions.
L'équipage commence par survoler le territoire à la recherche du navire de marchandises coincé dans les glaces. Pour cet exercice, la position GPS du navire n'a pas été divulguée aux secouristes. Il est donc extrêmement difficile pour l'équipe de le retrouver dans une étendue aussi importante. À l'arrière de l'aéronef, Brad, le chef d'équipe, conduit les recherches. À l'avant, c'est le pilote qui décide des manœuvres. Pendant la recherche, le commandant de bord et le chef d'équipe sont continuellement en communication. Quant à Matt, sa tâche est de première importance. Il doit préparer le matériel nécessaire au sauvetage. Le team member et le team leader sont en train de rassembler tout le matériel médical dans un sac. Donc si on aperçoit quelques survivants sur le terrain, tout sera prêt. Après avoir sauté, nos coéquipiers pourront nous lancer le sac. Matt, observe bien la zone où tu vas sauter. Brad Power a localisé le navire. Il peut ainsi transmettre sa position GPS exacte à l'hélicoptère de secours et continuer à rechercher l'avion écrasé. Aussitôt informé, l'équipage de l'hélicoptère d'intervention prend en charge le secours du navire et décolle sans perdre de temps. À bord, une autre équipe de Sartec. Les secouristes vont devoir se faire litreuiller par moins 20 degrés sur le navire. Pas question pour l'hélicoptère de se poser sur un terrain qui pourrait céder à tout moment. Durant cet exercice, les risques d'accident sont aussi réels que lors d'une véritable intervention. Le navire sur lequel se déroule l'exercice est un ancien bateau de marchandises britannique abandonné en 1960 suite à une avarie. Les forces armées canadiennes l'utilisent aujourd'hui régulièrement pour faire des exercices de recherche et de sauvetage. Hey, comment ça se passe ? Des rangers de la communauté Inuit jouent le rôle des victimes. Dans l'hélicoptère, l'équipage est composé de deux pilotes et d'un ingénieur de vol. Au total, c'est 10 personnes qui peuvent être secourues à la fois par l'appareil. Retour dans le Hercule où la seconde scène d'accident vient d'être repérée. Pendant que l'hélicoptère rapatrie les victimes du navire, les deux Sartec du Hercule doivent intervenir aussitôt que possible. C'est donc à partir du Hercule que les secouristes vont rejoindre les victimes en parachute. Avant de sauter, le duo de secouristes doit s'assurer de leur sécurité respective. Les câbles des parachutes sont minutieusement inspectés. Chaque membre est responsable de la vie de l'autre. L'équipage de l'aéronef se concentre au maximum pour envoyer les deux Sartec sur le lieu de la mission. Pieds. Les vents sont d'environ 6 à 7 nœuds sur le terrain. Le duo observe la scène du crash une dernière fois avant de sauter. Les secouristes enfilent leur équipement. Trousse médicale, vêtements chauds pour les victimes, rien ne doit être oublié. Les secouristes ont plus de 65 kg de matériel à emmener sur eux. Les sacs sont très lourds. Allez, il faut que tu sortes. Sauvetage !
C'est lors de leur descente en parachute que Brad et Matt prennent conscience de la dimension de ce qui les attend. En tant qu'équipier, Matt saute et atterrit le premier. Brad suit derrière. Il veille sur son coéquipier. Cargo 307 au rapport. Deux parachutistes sur le terrain, tous les deux vont bien. Ok. Si vous pouvez m'entendre, nous sommes ici pour vous venir en aide. Pouvez-vous marcher ? Matt Davidson doit agir rapidement. Il est le premier secouriste amené à intervenir sur la scène de l'accident d'avion. Si vous pouvez m'entendre, criez ! Une dizaine de blessés reposent dans la carcasse de l'avion. Même les blessures des victimes sont le plus réalistes possible. Matt soigne une première victime. D'autres Sartek le rejoignent rapidement pour lui prêter main forte. Pendant ce temps, Brad doit transporter et amener tout le matériel médical à l'avion. La tâche n'est pas évidente. Le matériel est lourd et la neige qui fond augmente la difficulté à progresser. Comme vous pouvez le voir, Brad est loin là-bas. Il a atterri très loin, ce qui fait qu'il a dû revenir pour le chercher. Il a dû marcher jusque là-bas pour le ramener ici, parce que vous ne pouvez pas traiter les patients si vous n'avez pas l'équipement pour le faire. Donc il a dû aller le chercher. Les secouristes de l'Aviation Royale du Canada sont des spécialistes hautement formés aux soins médicaux avancés. Ils doivent être capables de progresser dans n'importe quel environnement. Neige, glace, eau, rocher. Rien ne doit les arrêter. L'équipage du Griffon arrive rapidement sur les lieux. Son rôle est d'évacuer les blessés. Encore une fois, le temps est compté. Il faut agir sans perdre de temps et soigner les victimes au plus vite. End of the exercise. Rescue. Sauvetage. Right. Beau travail, good job, les gars. Guys. Good job. Beau sauvetage. Bravo. Way to go. Yeah. That's pretty realistic. C'est assez réaliste. Ça peut devenir assez intense quand nous sautons parmi un groupe de blessés comme ça. On se sent submergé. Heureusement, nous étions quatre. Normalement, il n'y a que deux gars. Sinon, il n'y aurait eu que deux personnes pour soigner tous ces patients. C'était un peu plus compliqué à ce moment-là. Vous avez atterri où ? Oui, ça a été une longue course. Au fond, je suis tombé à 180 degrés dans un bel angle. Matt a réussi la mission. Il vient de sauver la vie des victimes. Le but de tout secouriste. Direction maintenant Arctic Bay dans le nord canadien, où un véritable secours a dû être mené. Nous ne savions pas vers où il dérivait, nous ignorions la force du courant. Allait-il se retrouver dans la mer, loin de la terre? On n'en avait aucune idée. Ce matin-là, la météo n'était pas agréable. C'était très venteux et il y avait beaucoup de brouillard. Il neigeait, c'était brumeux. La visibilité était très réduite au début de la matinée. La marée était haute, la lune était pleine, et nous étions tout près du solstice d'été. Tous les éléments étaient réunis pour que la glace cède. Aujourd'hui, on ne peut pas aller au pôle Nord et dire c'est sans risque, sans danger. Non, ça peut fondre à tout moment. Nous cherchions l'aventure dans le haut Arctique, mais en fin de compte, nous avons vécu une aventure très différente. Le sergent Gouet a fait partie de ce sauvetage d'envergure survenu dans le Grand Nord. Le secours est historique puisqu'il est l'un des plus importants ayant eu lieu au nord du Canada. Nous avions 20 personnes coincées sur une plaque de glace à la dérive et nous n'avions pas beaucoup d'informations, sinon qu'elles dérivaient au large et qu'elles disposaient d'un camp. Le sergent Gouet est un secouriste d'expérience depuis plus de 20 ans. Il n'en fallait pas moins pour réussir une mission plutôt mal engagée. On s'entraîne constamment.
Nous sommes conscients des difficultés et des dangers de cet environnement. Donc, lorsque vient le temps de faire notre travail, on peut le faire sans se soucier des facteurs de stress et des imprévus qui pourraient survenir. Arctic Bay est reconnu internationalement pour le tourisme d'aventure. L'endroit est l'un des plus exceptionnels pour l'observation de mammifères marins. Les safaris arctiques connaissent une popularité croissante, ce qui augmente fortement le risque d'accident et d'intervention dans cette région éloignée. L'expédition s'appelle la Grande Migration du Passage du Nord-Ouest. Elle se concentre surtout sur l'observation des baleines. Jason Illier est l'un des guides d'Arctic Kingdom Polar Expedition, une entreprise du Nunavut qui offre à ses clients des expériences exceptionnelles dans le Grand Nord. Des visiteurs du monde entier prennent part aux expéditions de la compagnie pour observer dans leur habitat naturel les baleines boréales, les phoques, les narwhals, les belugas et les ours polaires. Les touristes ont aussi la possibilité de nager et de plonger avec les baleines. C'est un lieu où les baleines elles restent bloquées jusqu'au moment où la glace se fonde, d'accord, s'ouvre et crée un passage. Et là, les baleines, elles passent. C'est très exotique et isolé. Il est très rare de se rendre sur une banquise. L'expédition commence dans la communauté d'Arctic Bay, au nord de l'île de Baffin, au Nunavut. Nous voyageons en motoneige à partir d'Arctic Bay, à travers l'Admiralty Inlet. L'endroit où nous avions établi le camp se trouvait d'ailleurs presque au milieu de l'Admiralty Inlet, juste au sud de l'Elwyn Inlet. Mais ces endroits isolés, perdus au bout du monde et loin de toute civilisation, comportent des risques. Le 24 juin 2013 au matin. Les forts courants marins et les grands vents de la nuit provoquent des secousses importantes sur la banquise. La plaque de glace sur laquelle se trouvent les touristes s'est détachée de l'île de Baffin, entraînant le groupe à la dérive. Un réveil inquiétant pour les visiteurs du Nord. Nous nous sommes levés à 7 heures et nous avons remarqué à ce moment-là que le paysage avait changé. Nous avons alors très vite compris que nous étions à la dérive. C'est un immense morceau de glace. On ne voyait pas vraiment l'extrémité. Tout ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y avait de la glace tout autour de nous. Nos guides ont simplement dit « Écoutez, nous sommes entourés d'eau et pour le moment, il n'y a aucun moyen pour nous de descendre de la banquise. Nous n'avions pas de bateau avec nous à ce moment-là. » Sans embarcation, personne ne peut s'échapper de cette prison de glace. Mais le pire est que la glace peut se disloquer à tout moment, risquant d'entraîner les membres de l'expédition vers une mort certaine. Les vents et les forts courants marins réussissent à faire avancer la glace jusqu'à une vitesse de 1 km par heure. Nous étions préoccupés par le moral des participants de l'expédition. Ils étaient un peu anxieux. Ils voulaient comprendre ce qui se passait. Nous savions que nous devions mettre en place un plan d'action et nous avons commencé à passer quelques coups de fil. La situation est alarmante. Il faut, coûte que coûte, rejoindre le continent pour se mettre en sécurité. À un certain moment, il y avait aussi la possibilité qu'un avion, un Twin Otter muni de skis, puisse atterrir sur l'île de glace. Alors les gens d'Arctic Kingdom ont construit deux pistes à l'aide de bidons d'essence et de sacs à ordures remplis de glace. Ils ont aménagé deux pistes de 400 mètres dans deux directions, en se basant sur la direction du vent. En fin de compte, on nous a informé que le Twin Otter n'allait pas pouvoir atterrir sur la glace. We were here this morning. Yes. And now we are around here now. That's how much? Yeah. How many kilometers? 15 kilometers. 15 kilometers. Yes. We've drifted out to the large for 15 kilometers. Wow. Les Inuits étaient inquiets lorsqu'on regardait le GPS. Ils ont vu combien de kilomètres on a dérivé. Donc, ils n'avaient jamais vu ça. Hein. Et c'est les guides quand même. Hein. Ils n'avaient jamais su ça de leur vie. Et ils n'ont jamais vécu une expérience pareille. Le pire dans ce genre de situation, c'est l'incertitude. Voilà. Je mentirais si je disais que je n'étais pas inquiet.
On ne sait jamais ce qui peut arriver. Il faut savoir qu'on est dans une phase de changement climatique, là. Ça y est, ça se passe sous nos yeux. J'ai rarement eu l'occasion de voir ça, parce que j'ai toujours fait des voyages un peu insolites. Mais là, j'ai découvert comment les gens peuvent paniquer, oui, peuvent paniquer. Winnipeg, à 3000 km au sud. C'est de cette base militaire canadienne de grande importance que le sergent Gué et son équipe décollent pour aller secourir les touristes en danger. Malgré les distances considérables à parcourir, les membres des forces armées du 435e escadron sont prêts à intervenir, peu importe l'endroit. Ces militaires effectuent plus de 1000 sauvetages par année, couvrant ainsi l'un des plus importants territoires nordiques au monde. L'équipage, composé de 7 militaires, dont 2 Sartec, doit voler pendant près de 5 heures avant d'arriver sur les lieux du drame. Les possibilités de secours au Canada sont aussi vastes que le pays lui-même. Nous savions approximativement où ils se trouvaient, mais nous ne connaissions pas leur position exacte. Lorsque nous sommes partis à leur recherche, il ne nous a pas fallu beaucoup de temps pour les retrouver. Il était facile de voir les tentes, les motoneiges et les gens qui se déplaçaient. Nous les avons trouvés sans trop de difficultés. Nous avons entendu l'avion avant de l'apercevoir. Nous avons entendu un bourdonnement sur la banquise, un fort bruit diffus. Je n'ai jamais vu un avion aussi immense voler si près de l'océan. C'était impressionnant. On voit un Hercule C-130 qui arrive. Je peux vous dire que j'ai ressenti un énorme soulagement quand on a aperçu l'avion. Nous avons eu l'impression que tout allait bien se passer. Ensuite, l'avion s'est mis à voler en cercle au-dessus de nous. C'était un grand soulagement. Nous nous sentions en sécurité à ce moment-là. Le reste de la planète savait maintenant où nous nous trouvions. Les militaires canadiens font plusieurs vols de reconnaissance au-dessus de la Seine. Ils cherchent à avoir une idée précise de la situation. Ils sont en train de vérifier le passage de l'autre côté vers les autres montagnes, de l'autre côté de la passe. On dit pas qu'on est sur l'océan ici, et que la Terre est à 20 km de nous, et que l'océan est en train de fondre. Nous ne savions pas vers où il dérivait, on ignorait la force du courant, on ne savait pas ce qui se passait, on ne connaissait pas bien la région. Tout ce que nous savions, c'était que 20 personnes dérivaient sur la banquise, puis qu'il y avait une côte à 5 km de là et une autre 24 km plus loin. Entrerait-il en collision avec la côte? Dériverait-il jusqu'à l'océan en s'éloignant du continent? On n'en avait aucune idée. Nous avons dû survoler l'endroit à basse altitude pour évaluer la situation. On voulait connaître la taille du morceau de glace, on voulait savoir quel était son diamètre, de quelle grosseur était la banquise où ils étaient et quelle était l'épaisseur de la glace. La dimension totale de l'île de glace est de 9 km². La banquise est suffisamment épaisse pour supporter le groupe. Mais impossible pour le Hercule de se poser. L'urgence est de pouvoir communiquer directement avec le groupe le plus rapidement possible. Il fallait trouver une façon de communiquer avec eux. Alors on a lancé un émetteur radio. Rapidement, on a pu savoir ce dont ils avaient besoin et leur dire qui nous étions. Des radio-émetteurs sont largués. Une communication directe avec le groupe est indispensable. On va voir ce que le message que l'avion a jeté nous dit. Par communication radio, les Sartec veulent connaître l'état de santé des naufragés. Les gens au sol, après avoir récupéré la radio, nous ont dit que tout le monde allait bien, mais qu'ils étaient préoccupés par la banquise. Après quelques minutes de discussion avec Jason Hillier, le Sartec David Gué comprend vite qu'il faut d'urgence mettre le groupe en sécurité. Le risque majeur est une mort rapide par hypothermie dans l'eau glacée, si la glace venait subitement à céder. Le Sartec décide donc de larguer rapidement 3 bateaux de sauvetage avec un maximum de précautions. Voilà ce qu'on a fait. On a largué les trousses de sauvetage dans le sens du vent parce que nous ne savions pas si elles s'endommageraient. On savait que la glace faisait 5 pieds d'épaisseur, mais on ne savait pas quel serait l'effet de l'impact. On ne voulait pas prendre le risque de les larguer près des gens. Alors on a choisi de le faire quelques centaines de pieds plus loin pour éviter les risques de blessures.
On en avait attaché trois ensemble. Elles s'activent au contact de l'eau ou manuellement. Puisque nous les avons lancées sur la glace, elles ne se sont pas déployées. Nous avons expliqué aux gens comment le faire. Ensuite, nous leur avons demandé d'aller récupérer les trousses de sauvetage prudemment et de les amener vers le camp. Ils se sentaient à l'aise de le faire parce qu'ils avaient maintenant du matériel de sauvetage à utiliser si la glace venait à céder. Mais faute de carburant, l'Hercule ne va pas pouvoir rester plus longtemps ni sauver le groupe tout de suite. Bien que l'appareil ait une autonomie de 7000 km, il doit repartir immédiatement pour ne pas se mettre lui-même dans le rouge. Mais avant de partir, l'équipage explique aux touristes qu'il sera de retour et que des renforts ont été appelés. Heureusement pour nos naufragés des glaces, le major Martin Pesant, pilote d'un escadron tactique d'hélicoptères, stationne au Nunavut en mission spéciale. Il est à 1000 km des naufragés, c'est lui le plus près. Le major Pesant n'hésite pas une seconde à aller secourir le groupe, malgré une météo qui s'annonce très mauvaise. La météo était pas trop belle ce matin-là. Vraiment, c'était marginal. On avait essayé dans quatre vallées différentes. On était une formation de deux hélicoptères, donc un qui essaye une vallée, l'autre essaye l'autre, puis on se parle, puis là, on se voit plus. Je regardais le plan d'eau, puis il y avait de la glace, puis j'étais pas capable de déceler l'horizon du tout, du tout. Malheureusement, après plusieurs heures de vol, les conditions climatiques deviennent trop dangereuses. Le major Pesant décide à contre-cœur de se poser et d'attendre que la tempête passe. Pendant ce temps, le groupe patiente dans l'incertitude et la solitude. Mais un événement inattendu va complètement renverser la situation. Entre le moment où nous les avons quittés ce soir-là et le lendemain matin, la banquise avait dérivé jusqu'à la côte. Nous avons dérivé pratiquement à partir du centre de ce bras de mer vers cette côte. Puis nous avons touché la terre ferme ici, juste en haut d'Elwyn Inlet. C'est ici que nous avons trouvé une cabine isolée. Notre priorité, c'était quitter la banquise en toute sécurité. L'opération est délicate et les risques sont grands de chuter dans une eau glaciale. Mais l'instinct de survie est le plus fort et tout le groupe tente sa chance pour rejoindre la terre ferme. On y va à fond, tout le monde court, 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 court. Ça a fini à travers l'eau, presque dans l'eau, etc. Mais ils ont fait passer tout le monde. C'était une nuit polaire, jour, et donc toute l'après-midi, ça a été la course, etc. Et vous êtes dans des vêtements humides, mais étanches. Et la nuit arrive là-dessus, on a passé 12 heures à se cailler. Par un coup de chance extraordinaire, peu importe comment on peut appeler ça, une cabine se trouvait sur la rive. Même s'il n'y a pas d'arbres dans l'Arctique, on peut trouver du bois flottant. On en a donc ramassé, puis on a fait du feu et on a fait bouillir de l'eau. Ainsi, on a pu se préparer des boissons chaudes. Tout le monde a donné un coup de main pour qu'on soit au chaud. Tout le monde a pu regagner la terre ferme, sain et sauf, mais pour autant, personne n'est encore véritablement sorti d'affaire. Le groupe est épuisé. Cela fait plus de 30 heures que les touristes et leurs guides sont en attente d'être évacués. Le lendemain matin, j'ai dit que on est prêt là. On avait notre essence, on avait notre équipage, tout était beau. Et la météo était beaucoup mieux. C'était pas parfait encore. Le centre de coordination nous a dit bon ben, allez-y. Là. Voici les coordonnées exactes. Ici, il n'y a pas de place pour l'improvisation. Le Grand Nord ne le pardonnerait pas. Dans l'Arctique, les membres de l'aviation royale canadienne doivent faire preuve d'une parfaite analyse de la situation. Les conditions climatiques extrêmes, l'isolement et les grandes distances à parcourir sont autant de facteurs accidentogènes. En cas de pépins, de tempête ou de bris mécanique, les militaires doivent être prêts à faire face à toutes les situations. Lorsque nous avons entendu les hélicoptères, nous avons passé quelques minutes à les chercher du regard dans le ciel. Ils sont finalement apparus. C'était une vision digne d'un film. Deux hélicoptères qui survolaient la montagne au-dessus du fjord pour atterrir tout près du camp. Les hélicoptères atteignent enfin le groupe en perdition. On a atterri en formation, à l'écart des gens. Les mécaniciens de bord ont sorti de l'appareil. Ils sont allés parler aux gens, puis on dit « Bon, mais écoutez, on a besoin des groupes.
Ça va être des groupes de 5 personnes à la fois. Puis emmenez seulement que ce que vous avez sur le dos avec un petit sac. Les deux hélicos qui atterrissent, ils n'ont pas hésité à un moment où ils atterrissaient. Hop, ils ont un briefing tout de suite. Dans 5 minutes, chacun montait, hop, parti. Tout était rodé, tout était parfait. Non, les secouristes étaient vraiment top. Vraiment top. Et ce n'est qu'en s'envolant dans les airs que les aventuriers se rendent compte qu'ils s'en sont sortis in extremis. C'était très étrange d'avoir une vue aérienne de la banquise à partir de l'hélicoptère, parce qu'elle était en morceaux. Nous ne pouvions pas savoir, vu du sol, à quel point elle avait rétréci. Nous avons pensé, il est temps que nous partions. Ça partait en miettes, hein. C'est évident que le bloc de glace sur lequel on était, quelques heures plus tard, il diminuait jusqu'à 1 km². Hein. L'histoire se termine bien, mais un peu plus, et l'aventure aurait tourné au drame. Après une intervention s'étant déroulée sur 36 heures, les militaires réussissent un exploit en réalisant avec succès l'une des plus importantes missions de recherche et de sauvetage survenues au Nunavut. Le Grand Nord canadien est donc un terrain de jeu qui peut rapidement se révéler très dangereux, notamment en raison de son extrême isolement. Même chose au Groenland. Une terre très hostile où le thermomètre peut descendre jusqu'à moins 60 degrés Celsius. C'est ici que se réunissent les nations circumpolaires pour coordonner un exercice de recherche et de sauvetage d'envergure dans le but d'éviter le pire. Nous allons faire cet exercice pour savoir comment les différents pays peuvent travailler ensemble, s'adapter et tirer profit de leurs forces. Réussir à réunir un tel déploiement d'hommes et de matériel est exceptionnel. Le Canada, le Danemark, le Groenland, l'Islande, la Norvège et les États-Unis, tous ont répondu présents à l'appel, comme si le défi ne pouvait être que relevé. Nous rassemblons les nations des alentours afin d'organiser une opération de recherche et de sauvetage dans cette région. Le scénario consiste à venir en aide à un bateau de croisière en perdition dans une zone totalement isolée de l'Arctique. À bord du navire, 250 passagers à évacuer de toute urgence. L'île est là, un no man's land qui semble abandonné, mais qui est habité pourtant pendant 2 mois par an par l'armée du pays. La fonte des glaces dans l'Arctique ouvre largement la voie au trafic maritime et l'activité touristique augmente considérablement. Les risques d'accidents et de catastrophes s'en trouvent accrus. En 2011, les États de l'Arctique ont signé une déclaration pour s'aider les uns les autres en cas de catastrophe. L'impressionnante mission permet à 6 nations limitrophes de l'Arctique de s'entraîner ensemble au secours en régions éloignées. La conquête de l'Arctique passe aussi par une maîtrise des lieux et des secours. Une 30aine d'appareils volent et viennent de toutes parts. Navires, avions, hélicoptères sont déployés pour cet exercice. Plus de 1000 hommes et femmes sont présents. C'est un véritable tour de force que les nations sont venues aujourd'hui présenter. Mayday, Arctic Victoria appelle Oscar Uniforme Echo Whiskey. MMSI 21952400. Position, au nord de l'île Ella. Mon appareil est immobilisé. J'ai des foyers d'incendie, un problème d'inondation et des gens blessés à bord. 250 personnes sont sur l'appareil. L'équipage du navire tente de contrôler la fuite. Plusieurs petits incendies ont été détectés et l'équipage tente de les combattre. Les passagers sont dans un état de panique. L'équipage a perdu le contrôle du navire. L'explosion risque d'enflammer le bateau. Il faut évacuer les passagers. L'Hercule canadien a été appelé d'urgence. Avec une vitesse de plus de 500 km/h, l'appareil est le plus rapide à arriver sur la scène de l'accident. Pour l'exercice, les militaires canadiens sont les premiers secouristes internationaux à intervenir. Une mission particulièrement délicate car personne ne connaît exactement la nature et l'ampleur des dégâts. Une intervention taillée sur mesure pour nos secouristes de l'extrême.
On nous a informé qu'un bateau de croisière serait simulé par un vaisseau de guerre danois. Ce qui risque d'arriver, c'est qu'il se produira un incident et qu'on devra répondre. Certaines personnes pourraient être dans l'eau, d'autres pourraient se trouver encore sur le bateau. On ne sait pas quelle sera la gravité de leurs blessures, alors comme d'habitude, lorsqu'on se déploie, on aura certaines informations, mais on devra aller sur place pour savoir ce qui se passe. On est prêt à toute éventualité. Comme en intervention réelle, les Sartek doivent prendre des décisions rapidement et établir leur plan d'action pendant le vol. On a 8 techniciens en recherche et sauvetage à bord. C'est plus que d'habitude, mais la mise en scène est de grande ampleur. 5 de ces hommes sont prêts à sauter à l'eau pour porter assistance aux gens sur le bateau, et les autres attendent de sauter sur la rive pour mettre en place un campement d'urgence. Pour les techniciens en recherche et sauvetage, sauter dans l'océan Arctique, dans l'eau très froide, c'est l'expérience ultime pour eux, parce que c'est vraiment l'extrême de l'extrême en matière de parachutisme. Même si c'est un exercice d'entraînement, il faut faire le travail. Alors nous oublions tout ce qui se passe pour ne penser qu'à cette eau glacée, à bien ajuster notre équipement lorsqu'on arrive, à se débarrasser du parachute et à nager vers le bateau pour commencer à travailler sur les blessés. Les secouristes se préparent à sauter palme aux pieds pour plonger dans les eaux glacées du fjord du roi Oscar. Les militaires canadiens sont parmi les seuls secouristes au monde à être entraînés à effectuer ce genre de saut. L'exercice est particulièrement périlleux et la moindre complication peut tourner au drame. Deux ans passés, une équipe de 3 gars qui a été faire un sauvetage dans le Nord. Puis c'était 2 pêcheurs, si je me rappelle bien, qui étaient pris dans les glaces, ça faisait plusieurs heures. Ils ont été obligés de sauter, et puis à partir de là, bien, un de nos chums, il est mort. Il y a de l'eau qui est rentrée dans sa veste de survie, sa dry suit, puis il est gelé. Fait que, bien, ça fait partie de la job. C'est un risque à prendre, on sait que ça peut arriver. Fait, autant que tu te prépares, tout peut arriver. Fait que, bien, à la fin, les 2 personnes ont été sauvées, puis je suis sûr que... Bien, je suis sûr qu'ils sont pas mal contents que ça, que le risque que les gars ont fait. Mais ça a été une grosse, grosse mission. Quand on est un Sartek, on sauve parfois des vies au péril de la sienne. Les conditions sont extrêmes et tous le savent et s'y préparent. Les 10 Sartek sont maintenant prêts. Ici, la température de l'eau oscille entre 1 et 2 degrés Celsius, tout près du point de congélation. Mais en attendant le moment opportun pour sauter, les militaires suffoquent dans leur uniforme, car l'habitacle de l'Hercule continue d'être chauffé pour le reste de l'équipage. La topographie des lieux n'est pas évidente pour le commandant de bord de l'Hercule canadien. L'équipage doit naviguer adroitement à travers les falaises abruptes et les rochers escarpés. L'imposant aéronef est tout près de toucher du bout des ailes les montagnes environnantes. Le temps compte. En secours et sauvetage, la réussite d'une mission dépend étroitement du délai de réponse de l'intervention. Les Sartek doivent sauter rapidement pour aller secourir les victimes en détresse qui se trouvent sur le bateau.
Les secouristes de l'extrême atterrissent dans l'eau glaciale. Il faut faire vite pour intervenir et nager jusqu'au bateau. Leur objectif est de pouvoir assister médicalement les blessés le plus rapidement possible. Une explosion survenue dans le navire a causé un grave incendie. Les passagers souffrent de différentes blessures et brûlures liées à l'explosion. En tant que premier secouriste, la tâche des Sartek consiste à recueillir les blessés, effectuer les premiers soins et les évacuer rapidement. Une base médicale est mise en place sur le continent afin d'être en mesure de traiter adéquatement les victimes. L'équipe médicale de l'armée danoise est en charge de recevoir et stabiliser l'état des patients. Nous autres, les soldats canadiens, notre job présentement, aussitôt il y a un patient qui se présente, on les prend, on vient les trier ici à l'intérieur et on les évacue le plus vite possible. Toutes les victimes sont identifiées et doivent être dirigées rapidement sur Terre. La plupart des soins médicaux qu'on fait ici aujourd'hui sont exécutés rapidement. Parce que si on prend trop de temps, on les empêche d'être mieux soignés sur la terre ferme. Nous sommes tous qualifiés pour faire le travail de chacun ici aujourd'hui. Tout le monde essaie de se débrouiller et de faire ce qu'il peut pour régler provisoirement les problèmes. L'évacuation d'un bateau de croisière n'est pas une tâche facile. Les lieux sont exigus, difficiles pour les secouristes qui doivent s'y faufiler avec les victimes. C'est un grand défi. Aujourd'hui, nous avons une température superbe, alors ce n'est pas très risqué. Mais cela pourrait changer en quelques heures. La plupart du temps, dans cette région, le mercure est en dessous de zéro. Alors nous risquons l'hypothermie dès que nous quittons un environnement protégé. La seule chose à laquelle je peux comparer cela, c'est un désastre qui s'est déroulé en Estonie dans les années 90. Beaucoup des gens qui se sont rendus au canot de sauvetage sont morts d'hypothermie. C'est la meilleure comparaison. Si vous réussissez à quitter le navire en vie et que vous vous retrouvez dans un canot de sauvetage, le grand danger, c'est l'hypothermie, ça c'est certain. Une navette de la flotte marine danoise transporte les blessés sur le continent au camp de base qui se trouve à une vingtaine de minutes du lieu de l'accident. Une chaîne d'évacuation est établie afin de transporter les patients. Sur l'île Ella, la police militaire du Groenland accueille les groupes de victimes. Le but, recueillir le plus d'informations possible. Comme dans toute catastrophe de ce genre, la police doit enquêter pour trouver les causes et les responsables d'un tel accident. L'équipe militaire médicale danoise est chargée de recevoir les patients. Les victimes sont traitées en ordre de priorité. La tâche de l'équipe de spécialistes consiste à traiter et à stabiliser l'état des patients. Le médecin danois Kasper Kramer est le chef responsable du campement d'urgence. Il est chargé d'assurer la supervision de tous les médecins et infirmiers qui sont sur place. Le groupe est composé en majorité de Danois et de Groenlandais, spécialement formés pour intervenir en Arctique. Normalement, dans une situation comme celle-ci, quand les patients arrivent, leur état serait stabilisé dans un hôpital pas très loin, puis ils seraient évacués. Mais ici, nous n'avons pas cela. Alors nous devons stabiliser leur état, puis faire en sorte qu'ils soient prêts pour l'évacuation. C'est ce qui est en train de se passer ici. Actuellement, on est à 45 minutes en hélicoptère du lieu du désastre.
Mais on est à 2h30 ou 3h de l'hôpital le plus près. Alors c'est un vrai défi logistique que de transporter les patients jusque-là. À la pointe de la technologie, les installations des Danois sont conçues pour affronter les pires intempéries pouvant survenir en territoire nordique. L'hôpital temporaire possède tous les appareils nécessaires au traitement des victimes. L'équipe est pleinement autonome pour faire face à tout genre de catastrophe. L'état des victimes est d'abord stabilisé, condition indispensable pour leur transfert en toute sécurité. Le médecin Kramer doit superviser la prochaine étape, évacuer les patients vers l'hôpital le plus près. Ici, seuls les Hercules peuvent effectuer ce genre d'évacuation. Capable de décollage et d'atterrissage courts sur des pistes de fortune, l'Hercule peut effectuer des missions de recherche et de sauvetage sur presque tous les terrains et dans toutes les conditions météorologiques. Toutefois, l'isolement et la distance à parcourir rendent l'évacuation difficile. Ici, aucune route pour déplacer la victime. L'hôpital le plus près, situé en Islande, se trouve à plus de 1000 km en avion. En ce moment, nous sommes sur le C-130J, un avion danois. Ce que vous voyez derrière moi, c'est la dernière étape du plan d'évacuation. Il s'agit de l'unité de soins intensifs que nous avons construite dans le C-130 pour traiter les patients le plus efficacement possible. Les Danois sont des précurseurs en intervention médicale sur les lieux de sauvetage. Leur Hercule est équipé de deux modules conçus pour traiter les blessés graves. Ces unités insonorisées et isolées peuvent accueillir jusqu'à 12 patients à la fois. En vol, elles permettent au personnel médical de poursuivre leurs opérations. L'avion, unique au monde, a été pensé et conçu comme un hôpital ambulant. Le docteur Kramer fait le lien avec le commandant de l'aéronef. Il doit s'assurer du plan et de la durée du vol pour le transport des patients. La coopération entre différents pays est bénéfique pour tout le monde, tout spécialement celle des SAR-TEC du Canada, qui nous offre des équipes spécialisées dans le secours en eau glaciale. Le fait qu'ils puissent être parachutés et qu'ils puissent récupérer des gens dans l'eau est un vrai plus pour nous tous. Pour cet exercice, ils travaillent en étroite relation avec les Islandais et ils ont vraiment fait du bon boulot. On apprend plein de choses d'eux et on est très content qu'ils soient là. On pourrait dire que c'est tout un défi de travailler en équipe et de faire face aux conditions météo. Cette fois, nous avons eu de la chance avec la température, mais nous aurions pu rencontrer de mauvaises conditions, le froid. Il nous aurait fallu arriver à travailler ensemble quand même, malgré ces conditions. Lorsque j'étais enfant, je me souviens d'avoir regardé une carte avec mon père et ma mère et d'avoir posé des questions à propos de l'Islande et du Groenland. Et je me disais qu'il s'agissait d'endroits que je ne verrais jamais dans ma vie, un petit peu comme Disney World. Alors venir ici était une chose que je n'aurais jamais cru faire dans ma vie. Et voir ce territoire, rencontrer les gens et voir tout ce qu'il y a ici, c'est simplement génial. Les conditions avec lesquelles les secouristes doivent mener des opérations de secours et de sauvetage en Grand Nord sont parsemées d'embûches. Les ours polaires, les avalanches, l'hypothermie, l'inaccessibilité et les moyens de communication limités font partie des défis auxquels ces secouristes de l'extrême sont quotidiennement confrontés. Leur expertise ne fait aucun doute. Ils sont prêts et outillés pour affronter les pires catastrophes et sauver ainsi la vie d'hommes et de femmes qui s'aventurent dans les coins les plus reculés de l'Arctique. Que ce soit des touristes ou des professionnels attirés par les ressources naturelles qu'offre l'Arctique, il est certain que le Grand Nord, dans les années futures, n'aura jamais vu autant d'humains sur ces terres. Des humains qu'il faudra bien un jour aider.
Les secouristes des nations arctiques du monde entier le savent et sont prêts à intervenir pour ces missions de l'extrême.